Aujourd'hui, je rencontre Josée Tardif, une ancienne bibliothécaire convertie en réviseur linguistique. Elle nous parle de son blog, de la révision linguistique axée sur la lisibilité, ainsi que de ses projets à venir. Alors, suivez-moi. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la révision axée sur la lisibilité, parce que c'est mon dada, la lisibilité. Je vais vous dire c'est quoi exactement et c'est en quoi consiste mon travail quand que j'aborde les textes qu'on je reçois. Donc. Bonjour Josée, comment ça va? Ça va bien, Sabine. Merci d'être venue. Nous autres, on s'est rencontrés parce qu'on travaillait pour la même organisation. Exactement. Tu étais une bibliothécaire, puis oui. Maintenant tu es une entrepreneur. Oui, tout à fait. Explique-moi ton cheminement de devenir entrepreneur. OK. Donc, c'est ça, on s'est connus à Ottawa, dans le fond. J'étais bibliothécaire professionnelle pour la Bibliothèque d'Ottawa. Et donc, bon, j'ai deux enfants, une grande fille et un garçon de maintenant 10 ans. Et il a commencé à avoir des difficultés à l'école, beaucoup. Au départ, c'était des difficultés au niveau du langage, à bien s'exprimer, tout ça. Puis il y avait des difficultés scolaires, donc apprendre à lire, apprendre l'alphabet, apprendre les sons. C'était extrêmement difficile pour lui. Donc, et pour vous, parce que je dis vous, ton conjoint oui, et toi, parce toute que toi, la famille, c'est ça. Puis moi, la lecture, c'est au cœur de mes valeurs. La lecture, c'est hyper important. Mes enfants sont nés avec un livre dans les mains. Donc, c'était vraiment super important. Quand j'ai constaté des difficultés, j'ai vraiment contacté une orthophoniste. On a fait beaucoup de thérapie. Et au fur et à mesure, on a eu un diagnostic de dyslexie, donc une difficulté d'apprentissage de la lecture et aussi de l'orthographe. Okay. Donc, c'est pas seulement la lecture, mais aussi l'écriture. Puis face à ça, donc, j'avais un gros emploi, tout ça. J'ai décidé de laisser mon emploi pour me réinventer. Wow, oui! C'est ça. Je me suis réinventée, donc j'ai décidé de laisser mon travail. Au début, j'avais pris un congé sans ça pour tester le truc, l'environnement, voir si j'étais... Pour combien de temps, à peu près? J'ai testé ça 6 mois, et après ça, j'ai décidé, oui, OK, je veux vraiment rester à la maison pour mes enfants, pour mon fils qui a besoin de beaucoup de soutien à l'école et tout ça. Et après ça, j'ai dit, je vais bâtir mon entreprise. J'ai commencé tranquillement, de façon timide, pas trop sûre de moi. Mais juste pour t'arrêter pour quelques secondes, plusieurs personnes pensent souvent à quitter leur emploi stable. On s'entend qu'on habite à Ottawa. Ouais. La plupart des gens qui vivent à Ottawa sont des fonctionnaires. Et pendant ce 6 mois-là, comment tu t'es préparée? Puis qu'est-ce que tu as voulu tester pour t'assurer que tu étais bien armée pour aller à c'est temps ça. Plein à ton c'est compte? C'est ça. Dans le fond, c'est que j'ai demandé un congé sans solde. Donc, tu sais, je n'étais pas complètement détachée de la bibliothèque. C'était prévu que je revienne. C'est mais ça. Bon. Les choses changent tout les le choses temps. Changent. J'ai suivi des cours de traduction, plusieurs cours. Puis je me suis préparée. J'ai fait une page Facebook professionnelle, tout ça. Petit à petit, puis là, je me suis alignée vers l'offre de services linguistiques. Puis maintenant, c'est beaucoup... ça fait... c'est en 2014 que j'avais demandé mon congé sans ça. Mm-hmm. Puis là, je dirais que vers 2016... Ça a commencé à prendre plus d'ampleur, mon affaire. Là, j'étais plus solide et tout ça. Et puis, j'ai pu offrir mes services, comme me mettre plus sur la carte. Là. Puis, le service de base que tu offres, c'est réviseur linguistique. Oui, je suis réviseur. Donc, c'est vraiment de la correction de texte. J'ai beaucoup de clients entrepreneurs. Mm-hmm. J'ai des clients aussi dans le monde de l'éducation. Parce que le monde de l'éducation, c'est un domaine qui me passionne. Mm-hmm. C'est en lien avec la dyslexie, l'apprentissage tout au long de la vie, l'importance de la lecture. C'est vraiment des clients comme ça que j'ai. Puis, tu sais, depuis 2016, là, je surfe pas mal. Ça, j'adore ça. Puis, une des raisons pourquoi on t'a invité, c'est que tu offres un service intéressant. Qui est de la révision linguistique, mais tu offres ça à travers le web. T'sais. Oui, c'est ça. Mes clients, c'est uniquement sur le web que je les ai connus. Tu les rencontres jamais? Bien, on fait des vidéos, conférences avec Zoom ou Skype ou peu importe le truc. C'est vrai, ça se passe tout en ligne. Beaucoup avec Facebook, beaucoup de contacts avec Messenger, Facebook. C'est vraiment comme ça que je communique avec mes clients. Mm-hmm. Puis,
sais, sur ma page pro, j'ai aussi une infolettre que j'envoie. Professionnelle, quand professionnelle. Tu dis pro. Oui, pro, c'est professionnel, ma page professionnelle, oui. Qui est vraiment axée sur la révision, la lisibilité, comment faire des, écrire des textes clairs. C'est aussi axé sur la lecture, parce que j'ai un volet promotion de la lecture, parce que quand on lit, on devient meilleur pour écrire, on devient des... Je trouve qu'on devient même des meilleurs êtres humains, on s'enrichit, on enrichit notre vie personnelle et ça peut se refléter sur les autres et tout ça, ouais. Puis, moi, je vais te dire que j'ai lu ton blog. Puis dans ton blog, tu disais comment apprivoiser la oui, dyslexie. Oui, c'est ça. Ça, c'est mon blog... Pro. Que, ben, oui, c'est un blog pro parce que j'ai mon site professionnel. Où j'offre principalement des services de révision linguistique. Puis le blog sur la dyslexie, ça, c'est vraiment apprivoiser la dyslexie. C'est pour les parents d'enfants dyslexiques, parce que je voulais les encourager dans leur processus avec leur enfant, parce que c'est pas évident quand tu vois que ton fils, ton enfant en arrache à l'école, puis qu'à chaque jour, ça a répété toujours les mêmes apprentissages, puis ça colle pas, ouais. Quoi. Mais c'est quoi les outils que... Il y a plein d'outils qu'on peut utiliser, comme là, j'avais fait une vidéo, ça s'appelle Web Lecture. C'est vraiment un outil que tu vas écrire un texte dedans, puis là, ça va mettre les mots en couleur, les syllabes. Ça, ça a fait fureur, cette vidéo-là. Oui, j'ai fait le plus populaire. C'est le plus populaire. Il a été partagé d'innombrables fois, puis ça aidait les parents. Parce que c'est vraiment destiné aux parents. Moi, je ne suis pas orthophoniste, je ne suis pas une professionnelle du langage pour apprendre la lecture aux enfants, mais je donne des trucs, des outils pour les aider dans leur cheminement, puis à accepter aussi le diagnostic, parce que même si tu es dyslexique, tu peux très bien fonctionner. Tu apprends à lire éventuellement autrement, de façon très différente. Le cerveau ne fonctionne pas de la même façon. Comme mon fils aussi, à l'école, il a un ordinateur pour écrire, avec un logiciel WordQ pour faire la rédaction de ses trucs. Puis une chance qu'il y a ça, parce que est-ce que ça tu vois une nette amélioration avec les outils? Oui, beaucoup, parce que je le vois. Si s'il fait sans cet outil-là, tu le vois tout de suite, là, toutes les erreurs qu'il fait. Puis des fois, il va écrire gros son, beaucoup, tout ça. Puis il faut qu'il voie le mot tellement souvent pour s'en rappeler. Puis le... C'est ça. Ouais. Mais c'est le fun parce qu'on dirait que la dyslexie de ton fils a apporté un autre chapitre dans ta vie. Oui, c'était tout le chapitre à fait. D'entrepreneur. C'est le chapitre d'entrepreneur. C'est grâce à lui, je dirais, que je suis devenue entrepreneur. Ça m'a donné le courage, mais l'appui de ma famille, mon conjoint aussi. Mm-hmm. Mais lui, il m'a montré à être persévérante. Vraiment, c'est lui parce qu'il a persévéré dans son apprentissage. C'est toutes ces sessions de d'apprentissage, tout ça, ça m'a vraiment donné la persévérance de continuer puis de dire, ben oui. Puis le fait qu'il soit dyslexique, j'axe aussi ma révision sur la lisibilité. Donc, c'est vraiment, je m'assure que les textes soient clairs, bien écrits, mais tu sais, que la langue soit... Il y a plein de techniques, là, qu'on j'entrerai peut-être pas dans les détails là, de la rédaction. C'est pour ça que tu es une professionnelle dans c'est le domaine. C'est ça, que vous me confiez vos textes seront plus faciles à lire et à comprendre. Puis ça, c'est bon. Moi, je fais la promo auprès des entrepreneurs parce qu'eux, s'ils offrent des textes clair à leurs clients sur leur blog, c'est tout à leur avantage parce que leurs clients vont lire les textes, vont comprendre plus facilement. C'est pas de dire qu'un texte est simpliste, c'est juste de le rendre clair. C'est un art, dans le fond, c'est un art puis des techniques. Exactement. Mais c'est pas aussi simple que ça. Si on n'a pas les techniques comme une reviseur professionnelle comme toi, c'est plus difficile. C'est ça, exactement. Puis, ouais. Voilà. Une autre chose que je voulais parler, c'est que tu es un rat de bibliothèque. Oui, tout à fait. J'ai été bibliothécaire. C'est dans moi, là. C'est vraiment l'accessibilité à la lecture, l'amour de la lecture, c'est vraiment quelque chose. Puis, une des premières publications que j'ai vues à ton sujet quand tu t'es lancée, c'était ton journal de lecture. Oui. Je trouvais ça très courageux de ta part parce que je savais que tu étais timide. Puis, pour être entrepreneur, on ne peut pas être timide. Oui, c'est ça. Il faut travailler sur cette timidité. Mm-hmm. Moi, je suis introvertie aussi. Je suis beaucoup, beaucoup dans ma tête. Je fais beaucoup de lectures, tu sais. Mais j'ai appris à, dans le fond, à m'exposer avec beaucoup d'encouragement, avec d'autres amis entrepreneurs du web, certaines que j'ai jamais vues en personne. Oui, ta tribu que tu appelles. C'est ça, ma tribu. Je suis bien entourée.
Puis on s'encourage, puis ce sont tous des femmes, tu sais, on est comme un clan de femmes, là. Puis vraiment, on s'encourage à faire des vidéos, à s'exposer, à... Puis aller de l'avant. Aller de l'avant. Puis moi, j'aimerais ça que tu nous parles brièvement du journal de lecture. Oui. Parce que moi, je lis beaucoup. Oui. Tu sais, je parle beaucoup, mais je lis beaucoup. Okay. Puis je sais qu'on dit que la lecture est en diminution à cause des sites web. Oui, de tout ce qui se passe sur l'Internet. Exactement. On est dans un monde de distraction et d'attention limitée. Mm-hmm. Mais moi, l'outil que j'ai fait, c'est vraiment pour les gens qui veulent soit retrouver le plaisir de lire ou nourrir leur amour de la lecture. Mm. Puis moi, je prends beaucoup de notes, hein, tu sais. Quand je lis, puis je sais qu'il y a bien des gens qui sont comme moi, des petites bébites à la lecture, qui écrivent, puis, des notes. Tu soulignes, tout ça. Puis là, je voulais faire un cahier qui propose des fiches de lecture où on peut prendre les citations inspirantes, tout ça. Moi, j'adore ça. J'écris les trucs qui me marquent, qui sont importants pour moi. Puis là-dedans aussi, il y a comme des questions aussi pour préparer, faire son rituel de lecture, son coin lecture, des réflexions à propos de ça. C'est très introspectif. Mm-hmm. C'est à mon image, je dirais. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont... comme moi. on prend de tout pour faire un monde. Exactement. Puis c'est pour encourager les gens à lire parce que c'est vraiment tellement important. Oui. Puis si on voudrait se procurer ce journal de lecture, on peut se le trouver où? Sur mon site web, mm-hmm. josetardif.com, sous l'onglet boutique, il y a toutes les informations là-dessus. Puis il y a même des vidéos où je feuillette le journal en question. En tout cas, il est bien fait. Oui. Tu as donné un aperçu en ligne de qu'est-ce qu'on peut retrouver. Exactement. Ça, c'est une vidéo fort intéressante, court, mais fort intéressant. Oui. Puis tout de suite après la pause, on va faire un petit quiz avec les binettes de médias sociaux. On va passer... OK, parfait. On va te faire réfléchir d'abord. On va te faire sortir de ta tête. Parfait. Merci. Nous sommes de retour avec José Tardif au Café Jackson, un super beau café à la Galerie d'art d'Ottawa qui a été inauguré cette année. Avant d'aller à la pause, je t'ai lancé qu'on va. Je t'ai annoncé qu'on va jouer à un jeu qui s'appelle Les Emojis, les Binettes. C'est un jeu assez simple. Je vais te dire une situation par rapport à des choses que j'ai vues sur ton compte Instagram ou Facebook. Okay. Et tu vas choisir la binette ou l'emoji qui évoque le mieux ton émotion. Okay. Okay? Alors, voilà. OK. Alors, quand tu t'es lancée en affaires et tu as fait ta première publication Instagram. Oh, Instagram? Oui, Instagram. J'étais... Oh, merde! Dans quoi je me suis embarquée? Je sais pas. Mais non, mais c'était correct. T'avais peur? Oui, j'avais peur. J'avais peur. Puis, tu sais, puis Instagram, j'étais pas trop à l'aise au début, mais là, j'adore ça. J'adore ça. J'adore faire des stories. J'ai fait plein de stories en m'en venant. J'ai montré ma robe, mes cheveux. Puis là, les gens m'envoient des petits cœurs. Ah, tu vas être bonne. Super! Puis... C'est ça. Puis, deuxième question, c'est à quoi a l'air ton horaire? C'est quoi? Qu'est-ce qui résume ton horaire d'entrepreneur maintenant? Mon horaire d'entrepreneur, quand les enfants sont à l'école, l'été, c'est un petit peu plus décalé, je dirais. Ouais. Bien, l'horaire habituel, c'est que... avec ça, je te réponds. Oui, on continue le jeu, là. mon horaire, oui, moi, je suis... J'ai un bon horaire, tu sais. Je dirais super. Que... T'es disciplinée, t'es une bibliothécaire. Oui, c'est ça. Je suis quand même assez disciplinée. Puis, je te parle de quoi ça ressemble. Je me lève, puis je fais des exercices. Des fois, je lis. Puis après ça, les enfants... Bien, mon fils, il se lève tôt, donc il est déjà... Il est déjà parti. Il est déjà parti. Puis après ça, on déjeune, tout ça. Après ça, c'est l'école. Et là, après, je vais m'installer à mon bureau. J'ai un super bureau que je me suis aménagé dans ma maison. Oui, tu l'as annoncé sur Instagram. Oui, je suis très fière. Ça faisait longtemps. Avant, j'étais dans le salon. C'était vraiment pas optimal. Si j'ai un conseil à donner pour les entrepreneurs, créez-vous une petite pièce ou un coin vraiment à vous
pour vous retrouver, pour être concentré pour travailler. Ouais. Fait que dans mon bureau, c'est ça, je travaille surtout les mandats qui me manquent, qui sont quand même exigeants. Ça va être le matin, je vais le faire. Mm-hmm. Puis l'après-midi, je vais surtout faire les factures, les réseaux sociaux, l'écriture d'articles mm-hmm. de blog, puis l'apprentissage, ben, la lecture pour de quoi je vais parler, quel truc je pourrais donner, etc., préparer les vidéos et tout ça. Habituellement, c'est pas mal ça, à ça que ça ressemble. Et la dernière question de jeu de binette, comment tu oui. pourrais, quelle binette, oui. quel emoji, oui. puis il y a le quatrième, le 100%, oui. Qui décrit le mieux tes clients? Mes clients qui décrit... Ah, oh, c'est clair, j'utilise encore ça parce qu'on s'envoie plein de petits cœurs comme oh. ça. Ah, oh, ben oui, on s'encourage beaucoup. Dans un message texte. Oui. oui. Puis, tu sais, comme on communique. Puis, tu sais, j'ai des entrepreneurs clientes qui sont aussi des amis, on est proches, on a les mêmes philosophies. Donc, on est très à l'aise. Tu sais, c'est pas. Moi, c'est pas des entreprises corporate, là, que mm-hmm. je dirais. C'est des entrepreneurs, des solopreneurs. Comme moi. Donc, vraiment, on s'encourage, on s'envoie des petits cœurs pour dire que ça va bien aller, que tout oui. est beau puis qu'on est capable. Ben oui, vous êtes capable. oui. Puis c'est le fun parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui nous écoutent puis qui veulent aller, qui veulent se lancer oui. en entreprise. Oui. Puis est-ce que tu aurais trois conseils okay. Importants à vraiment véhiculer à travers notre entrevue? Que tu aimerais ça partager parce que quand on s'est connus, moi, je te voyais que tu allais rester bibliothécaire. Oui, c'est ça. c'est ça, on s'est connus à un autre moment. Un autre ça moment. Ça a complètement changé. Mm-hmm. Puis je peux vraiment dire, je suis vraiment à ma place. Là. Je me sens extrêmement épanouie. Mais en tout cas, les conseils que je donnerais, je dirais, c'est savoir bien s'entourer. Au départ, j'ai hésité à vouloir bien m'entourer dans le sens d'avoir des coachs ou des gens qui vont faire le graphisme de certains trucs ou demander conseil à d'autres personnes. Alors, t'as une équipe avec c'est ça, que tu oui, travailles. Avec quelqu'un en communication qui peut me donner des trucs. Tu sais, je suis quand même pas pire en communication, mais c'est le fun d'avoir quelqu'un qui est pro de ça, on le sait. Mm-hmm. Donc, des conseils. Puis j'ai hésité longtemps à faire appel, disant, oh, je suis capable de faire tout seul, mais non. Alors, tu t'es entourée d'un coach? Oui, coach. Je fais partie aussi d'un mastermind. Ça, un mastermind, c'est plein d'entrepreneurs. Francophones? Oui, puis on s'entraide ensemble. On parle de nos défis, de nos objectifs, qu'est-ce qu'il faut faire. Puis tu sais, c'est vraiment un groupe de femmes solidaires. Là, oui. C'est vous vraiment bien. Dans ce... Là, on est là, il y a une nouvelle cohorte qui commence. On va être une bonne vingtaine, mais on est des petits groupes de 5-6. Tu sais, il y a peut-être 4 groupes de 5-6 personnes, puis là, on se rencontre avec Skype ou là, c'était wow. Zoom. Tout sur le web, hein? Tout sur le web. C'est incroyable. C'est tout là-dessus. Puis il y en a que j'ai jamais vu en personne, mais que je parle avec eux comme si c'était... Ta soeur, les membres de ta famille. C'est ça, exactement. Ça, c'est un des conseils de savoir bien s'entourer, de ne pas hésiter à sortir de sa coquille un peu, mm-hmm. cette timidité. Sa zone de confort. Sortir de sa zone, mm-hmm. puis d'y aller, ça peut juste être bénéfique. Mm-hmm. Puis, de toute façon, même si on fait des erreurs, tout ça, toutes les erreurs sont là pour nous apprendre quelque chose. La minute philosophie, mais c'est ça pareil. Mm-hmm. C'est vraiment, moi, je trouve que j'ai tellement appris sur moi, sur mon entreprise, sur l'humain, que... Ceux qui ont la fibre entrepreneuriale, allez-y. L'autre conseil, Jeff, il faut être persévérant dans la vie. Ça marchera peut-être pas du premier coup. Est-ce que tu as eu des échecs? Bien, j'ai eu des échecs. Moi, je ne calcule pas. Ou des défis, disons. Des défis, oui, mais tu sais, trouver des clients. Mm-hmm. Mais si tu ne te montres pas le visage, tes réseaux sociaux, puis tu veux faire de la business en ligne, mais si tu ne te montres pas la binette, hein? Faut se montrer le visage. Oui. Bien, ça va être difficile d'aller chercher des clients dans ton sol, tout seul. Surtout qu'on est souvent seul parce qu'on travaille de la maison. Je suis contente que tu le mentionnes ouais. parce que moi, je suis très active sur les médias oui. sociaux et tu l'es devenue en oui. sachant que tu étais timide. Exactement. Puis, je trouve que les gens voient malheureusement les médias sociaux comme une mauvaise plateforme. Pourtant, c'est très puissant.
les plateformes. Oui, c'est très puissant. Moi, ça m'a vraiment aidé, ça m'a propulsé. J'ai connu des personnes extraordinaires là-dessus qui m'ont aidé, qui m'ont encouragé, qui me font des références. Maintenant, en ayant un bon bassin de collègues, puis une tribu, là, si on veut, bien, on se réfère entre nous. On se lance des clients, des idées, on se pousse plus loin, mais on fait juste. C'est vraiment le web, c'est là pour ça. T'sais. C'est sûr que ça peut peut-être avoir des mauvais côtés si on l'utilise pas d'une bonne façon, mais moi, je trouve que c'est vraiment. Puis le blog, moi, je blogue sur mon site, sur la dyslexie, sur mon blog professionnel. J'adore écrire. Moi, c'est comme. C'est puissant, là. Oui. Ça peut être puissant, oui. Puis un autre conseil que tu as mentionné, mais on a effleuré très rapidement. C'était le fait d'avoir un coach. Oui. Moi, j'ai senti ça dans ton compte Instagram, parce que ça t'a sorti de Oui, tout à fait. Oui, j'ai eu des Puis là, en ce moment, j'ai deux coachs. C'est comme un binôme. Là. Ils font ça ensemble. En symbiose. Oui. Puis vraiment, ils vont sans... Puis... C'est quoi leur rôle, chacune? Bien, leur rôle, c'est à peu près similaire. Il y en a une qui est plus stratégie, puis l'autre va être plus... va prendre soin de l'être, de l'entrepreneur comme personne, comme femme, parce qu'il faut être bien avec soi pour pouvoir bien faire ses choses. Ça aide. Tu sais, des fois, on a des défis au niveau familial ou personnel, mais on sait qu'on a de l'aide de ses coachs, puis c'est vraiment ses bienfaiteurs. Puis eux sont là pour aller te donner des bons trucs, voir te dire des choses que toi, tu n'as pas vues. Mm-hmm. Puis ils vont te faire réfléchir sur des trucs ou des stratégies d'entrepreneur, puis que moi, je n'avais pas vu parce que je suis trop collée dedans ou je suis trop dans ma tête. Là, ils me sortent des astuces, des conseils. Ça me fait vraiment évoluer. Ça, c'était vraiment un point marquant dans ma carrière. Ouais. La question qui tue. Oh yeah! Oh yeah! Qui est aussi une question... tu sais, moi, j'ai publié dans ma tribu, j'ai demandé aux gens qui me suivent de te poser des questions à chacun de mes invités. Okay. Et une des questions, qui est la question qui tue, est-ce que ça prend beaucoup d'argent pour se lancer en tant qu'entrepreneur? Beaucoup d'argent. Il faut quand même un peu d'argent, je dirais, parce qu'il faut mais il faut beaucoup de temps. Surtout au début, beaucoup de temps. Mais oui, il faut de l'argent parce que j'ai quand même investi, payé des gens pour mon marketing, pour des conseils en communication pour mes plans de contenu. J'ai demandé à l'occasion de l'aide de Patricia, pour ne pas la nommer, pour m'aider dans mes plans de contenu, quoi écrire, comment aller chercher mon public, avoir une stratégie. Ça, faut le payer, le graphiste, faire le journal de lecture, tout ça. Faut quand même... C'est super bien fait. C'est toi. Oui, c'est ça. Faut quand même avoir un peu de sous pour héberger ton site web. Mm-hmm. Il en faut quand même un peu, mais je pense qu'on peut quand même se lancer. Puis, oui. Puis, la dernière question. Oui. Mais la question la plus importante, c'est par rapport à ton avenir. En tant qu'entrepreneur du web, où tu te vois dans un an puis dans 5 ans? Ah oui, OK. Je dis dans un an parce que le web change assez rapidement. Ça change. J'ai tellement évolué juste dans les dernières années. C'est ça. Tu sais, de l'idée à avoir finalement le produit journal de lecture, ça a pris un temps, mais j'ai d'autres idées. Ça va juste évoluer. Je vais avoir plus de produits que je pense que je vais pouvoir vendre en ligne de façon virtuelle. Oh, super! Est-ce que tu peux nous annoncer au moins une? Bien, j'ai fait... oui, ça va être à l'automne. J'ai les petites leçons de José. C'est des... Bien, ceux qui aiment le langage, la grammaire, tout ça, ils vont être choyés parce que j'ai fait un cahier d'à peu près 80 pages de leçons de grammaire. Mais c'est à la sauce José, donc c'est pas plate. C'est drôle. C'est les leçons de grammaire, là. Non, c'est ça. Toujours été plates. C'est ça. Elles ont toujours été plates, mais là, c'est vraiment avec une petite touche d'humour. Puis c'est plus. C'est pas comme dans une grammaire, tu lis puis tu t'endors. Non, le que but. Que tu apprends par cœur. C'est ça, exactement. Moi, je fais partie de la vieille école. Oui. C'est ça. Mais oui, non, ça, je vais avoir ça à l'automne. Puis éventuellement, j'ai d'autres idées. J'ai un projet aussi
Du côté de la dyslexie, j'ai un projet de livre que je veux mettre en... Mm-hmm. Mais c'est très embryonnaire. Ouais, on est au début. Mais moi, je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui t'écoutent maintenant. Puis qu'est-ce que tu dirais à un parent qui vit ou qui a un deuil avec un enfant dyslexique? Oui, oui. Ben, c'est un processus. Hein. Souvent, on sait qu'il y a quelque chose. Depuis longtemps, on sait qu'il n'apprend pas, notre enfant n'apprend pas de façon normale, là. Bien, normale, tu sais, pas comme les autres, mettons, mm-hmm. la plupart. Ou quand on reçoit des dyslexies, des fois, il y en a que c'est des soulagements parce que tu te rends compte, ah, c'est pour ça qu'il y avait des difficultés. Maintenant, je comprends, je vais mieux pouvoir l'aider. Mais c'est un processus, ça va se faire petit à petit, puis on peut s'entourer, puis en parler sur des groupes Facebook ou... Bien, à son ça. Orthophoniste, ses amis, d'en parler. Et c'est pour ça que tu existes. Oui. Alors, tous ceux et celles qui veulent avoir plus d'informations à ton sujet peuvent aller sur ton site web, josetardif.com. Oui, tout à Merci fait. Merci beaucoup. Bienvenue. C'est déjà la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Suivez mon invité sur les médias sociaux ou sur sabinedaniel.com.